Salé nommé, je parle de prophète Kakou Séverin de la Côte d'Ivoire, un homme que je connais dans notre église Amour et Vérité à Seine-Saint-Denis, 17 voies de la libération, et nous avons organisé beaucoup de conférences, des séminaires, des conventions. J'ai vécu avec lui, je l'ai vu ministrer. C'est un homme vraiment que Dieu avait appelé, qui avait un don, une grâce de prophétie, mais pas seulement. Donc, il ne faisait pas que prophétiser, et c'est ce que j'aimais en lui. Et donc, il prêchait la parole. C'était aussi un enseignant de la parole. Tout ministère, en tout cas, quel qu'il soit, doit être fondé sur la parole. Et avant de prophétiser, il y a la parole, parce que la parole est la prophétie par excellence. Que Dieu bénisse toute la famille de la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toute l'église de la RDC, que Dieu bénisse toute l'église de la France. Que la bénédiction de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Amen.